Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue custom avec aujourd'hui The Big Stomp, qui est donc une création de notre Cliff National en lien avec la gamme qu'on connaît bien. Je suis très très heureux de pouvoir enfin vous faire la revue de ce magnifique custom. Vraiment, il déchire ce custom, c'est un délire. D'ailleurs, c'est tellement un délire que c'est créé de A à Z, hein. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'existe absolument pas dans cet univers. Voilà. Et c'est justement ça qui fait l'attrait de ce jouet. Donc devant nous, la boîte, magnifique boîte, grande boîte d'ailleurs, beaucoup plus grande que la remorque, mais c'est vrai qu'il aurait été dommage de ne pas mettre en valeur cette splendide illustration. On regarde tout de suite ça de plus près. Alors, ici, donc, le nom de l'engin, The Big Stomp. On nous dit que c'est un semi-remorque quartier général de défense mobile. Défense, oui. c'est un truc qui est juste ouf, complètement surarmé, hein, comme on va pouvoir le constater. Vous voyez ici qu'on voit des personnages. On voit ici un véhicule qu'on connaît tous très très bien. Ici, c'est noté avec son et lumière. Oui, oui, et le son, on ne peut pas passer à côté, ça je vous le dis, à partir de 4 ans. Ici, on voit donc une photo du joujou en mode civil. On voit plein de choses ici, hein, plein de détails sur cette illustration. Juste à noter que moi, sur ma copie à moi, je n'ai pas de petit canon à l'arrière. Voilà. Également, alors normalement il y a un drone a priori avec, mais ça n'avait pas l'air très fonctionnel, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu non plus avec ma copie. Ici donc on nous dit qu'on prend un semi-remorque, les figurines, masques et le véhicule ne sont pas inclus et peuvent être vendus séparément, nécessite 4 piles et l'air 6 forcément, s'il y a son et lumière, c'est un petit peu normal. Donc voilà pour la première face, il y a une autre face de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc ici, on nous dit « ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois ». Donc là, on a une première photo, une remorque ordinaire qui se transforme rapidement, voilà, rapidement, il y a quand même du boulot, en quartier général de défense mobile avec drone de combat télécommandé. Donc à l'occasion, Cliff m'a dit que si il retrouvait du matos plus performant, du coup il me le transmettrait. Donc voilà, c'est écrit exactement pareil de ce côté-là. Sur la tranche, donc ici, une photo ici, hein, vous voyez, de l'intérieur de la remorque au milieu. On nous dit ici, le poste de combat est rétroéclairé. Les canons laser font du bruit et de la lumière. Et ici... Alors ça, c'est vraiment l'endroit de cet engin que je préfère. Le canon est automatisé avec une cadence de tir soutenue et à longue portée. Oui, parce que ça balance des projectiles. Voilà. Donc en dessous, du blabla. Et de l'autre côté, on a exactement la même illustration, sauf que vous voyez qu'ici, ça tire. C'est à l'américaine, quoi. Voilà. Excellent. Dans la boîte, on a tout d'abord ceci, un poster hein, de la magnifique illustration de la boîte. Le mien est signé, à savoir qu'au dos de ce poster, on a également le petit flyer promo hein, qu'on pouvait trouver dans la gamme. On a également une notice à l'américaine. Alors, cette notice est très très bien fichue. Pas mal de petites explications. Moi, il y a eu une petite modif au niveau des interrupteurs sur mon modèle, enfin sur ma copie. Par contre, il y a 2-3 bricoles dont on ne nous parle pas, comme par exemple où on met les piles, et ça, justement, je vais vous l'indiquer. Mais sinon, voilà, hein, tout le procédé de transformation y est. Donc au final, plutôt complète, cette notice. Également, à l'intérieur, un petit sachet avec les petits projectiles pour le canon à l'arrière. Et donc, voici la splendide bestiole. je kiffe vraiment ce custom. Déjà parce qu'il est super original. D'autre part parce que c'est une pure création de A à Z.
Et puis, franchement, il y a plein de trucs là-dedans, il y a plein de trucs à faire. Alors, on va d'abord regarder en mode civil, hein, ce qu'elle donne. Cette remorque. On remarque ici immédiatement, hein, les stickers. Voilà, qui vont dans le prolongement, hein, du véhicule original. On regardera tout à l'heure. Donc ici, hein, on a les pieds de la remorque. Pour caler, comment dire, pour maintenir correctement ce pied, on a une petite pièce qu'on peut rajouter ici, hein, et qui s'enlève quand on veut justement mettre le picot là dans le tracteur, ce que je vous montrerai également tout à l'heure. Pour l'instant, on continue. Vous voyez qu'ici on a une espèce de tiroir, là, des petites poignées pour tirer les trucs, c'est plutôt sympa. Là ici on a une superbe rhino qui est surimpression, vous voyez, sculptée ici. Trop classe. On a également, vous voyez, toujours une poignée. Ici, voilà, les stickers qui continuent. The Big Stomp, d'indiquer ici. Alors, c'est un petit peu dommage, vous voyez, que ces panneaux-là ressortent. Sur le coup, je me suis dit, ouais, finalement, elle aurait peut-être dû laisser... Enfin, ne pas les rendre détachables, mais en fait, si, enfin, ça fait partie du charme du truck, enfin de la remorque, pardon. Je trouve que ces parties-là sont très très bien placées. En plus, c'est vraiment des endroits où on peut ranger du matos, donc ça a vraiment une grande utilité. Vous voyez ici les pneus et les roues. Alors, les pneus, c'est du dur, hein. Donc c'est doublé. Je montrerai le dessous, hein, ensuite. Et voyez que la sculpture, hein, des jantes est exactement la même que le véhicule original, hein, ce qu'on regardera tout à l'heure. C'est très 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 classe, vraiment. Alors j'imagine qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le petit truc qui me choque moi un peu visuellement, c'est, vous voyez, ce sont les attaches. Voilà. Donc après, il n'y avait pas d'autre méthode, je pense, sur peut-être le faire de l'intérieur. Mais du coup, ça n'aurait peut-être pas résolu le problème des pas de vis, je sais pas. Mais ou peut-être plus compliqué à construire. Mais c'est vrai que visuellement, alors heureusement, il y a le rhino. Voilà, déjà, ça attire le regard. Mais c'est vrai que visuellement, ou alors peut-être dans la même couleur, je ne sais pas, en noir. Peut-être qu'en noir, ça aurait été plus classe. Sinon, elle est magnifique, cette remorque. Elle pèse un bon poids. Elle est très très bien designée, hein. Vous verrez qu'avec le, quand on l'accroche au véhicule original, elle est très très comment dire, très assortie. Voilà. Donc vous voyez ici, on a le dos de la remorque, donc Dagger Custom ici. On a des phares normal. Vous voyez, hein, ce que ça donne. Vraiment, on voit des pneus doublés à l'arrière. Et puis de l'autre côté, bah, on a la même chose. Hop. Manier avec précaution quand même. Vous voyez. C'est très classe. Ici, on n'a pas les mêmes types de tiroirs. Vous voyez, ce côté-là, il n'y a pas cette partie-là. On a ici le même tiroir qu'à l'avant, mais là, on en a un autre. Et ici, vous voyez que cette partie-là choque beaucoup moins. Et donc, pour voir un petit peu ce que ça donne en dessous, sans trop risquer, vous voyez qu'on a une belle structure. On a les pieds ici. Si on voit le bloc roue à l'arrière, je me dis que je vais peut-être repasser du chrome sur les jantes, histoire que ça pète un peu plus et que ça soit plus assorti au camion. Donc voilà, voilà l'engin, juste terrible, excellent même, la grande classe. Donc on va commencer la transformation, puisque il y a quand même du boulot, et on va commencer par le côté où il n'y a pas la partie centrale. Donc tout d'abord, on a une trappe ici qu'on ouvre, et vous voyez qu'on a un lance-roquette, et hop, on le tourne comme ceci. Voilà, ça sort pas du cadre. Et bien entendu, le lance-roquette est fonctionnel. Alors voilà, ça en balance deux d'un coup. À savoir, vous voyez, des jolies petites roquettes là. Savoir que le problème, c'est que quand on les remet ensemble, ces roquettes, c'est que les deux du dessous peuvent partir. Donc il faut bien tout maintenir
Il en tient bien à l'arrière, voilà. Et tout rentre nickel. Si on a des soucis pour les roquettes, on a du matos ici. Donc déjà, on a deux roquettes supplémentaires, mais on a aussi ça, qui permet, si vous voulez, de maintenir les roquettes en place quand on les remet, toutes les quatre, sans se piquer les doigts, mais franchement, voilà, ça va, ça passe bien. Mais vous voyez qu'on a du matos ici. Ça, c'est trop cool. Donc, on peut refermer sans problème ici. Pour être sûr que ça ne bouge pas, on rappuie un petit peu vers le bas. Alors ici, pareil. Ici, on a un poste de rangement, mais je pense que c'est ici que le drone devait se trouver. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis. J'en dis souvent. Donc voilà pour le lance-roquette. On va regarder ça en détail après. Hein. Ensuite, on a cette partie-là qu'on ouvre également. On a un logo. Et ici, on a des canons. Trop bien. Cette partie-là, donc, on peut l'ouvrir également. Alors, il n'y a pas de trappe parce que normalement, on la pousse de l'intérieur. Donc, je vous montrerai cette partie-là quand on regardera le toit. Pour ce côté, on ouvre également cette trappe et on se retrouve également avec un autre lance-roquette. Voilà. Des fois qu'on manquerait de roquettes. en dessous, on a un tiroir. Alors, je l'ai bien calé. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, donc ici déjà, on a du matos que je vais sortir. On a ici un radar et un petit câble. Alors normalement, ça c'est fait pour être, voilà, c'est pour être maintenu comme ça. D'ailleurs, ça a de la gueule. Donc ça peut tenir comme ça, mais il n'y a rien pour le retenir. Du coup, on peut également le poser comme ceci. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est sortir cette partie qui glissait à l'intérieur. On la sort à toc. On sort cette partie-là. Et on peut le poser ici. Auquel cas, on n'ouvrira pas cette partie-là. Et vous voyez qu'on peut ressortir une énorme ogive. Et idem ici, hein, c'est fonctionnel. On a une superbe ogive. Je la trouve super stylée. C'est la classe. Donc là, voilà, on peut faire ça, mais moi perso, je préfère quand ça reste accroché, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez que j'ai sorti ça, ça on s'en occupera à la fin. Donc vous voyez, cette partie-là est faite normalement pour soutenir ici, sauf que ça peut tenir tout seul. Hein. Faut bien... bien se le dire, et une fois qu'on a déverrouillé, vous voyez, j'ai déverrouillé ici, on tire, et ici on a cette partie là donc vous voyez que ici ça tient plutôt bien, donc normalement on n'a pas cette partie là mais moi je trouve ça stylé. Ici on sort ces deux beaux canons et vous voyez qu'on a une magnifique tourelle ici avec des stickers. Et au fond, on a des sièges. Alors, des sièges qui sont plutôt mobiles. C'est normal. Sinon, on aurait du mal à installer les figurines. Et je vous montrerai le light après. Hein. Donc, en dessous, ici, on a quoi? On a une première trappe avec un computer, ici. Et un petit trou pour brancher cette partie-là. Et dans l'autre trappe, à côté, dans l'autre caisse, l'autre caisson, plutôt, on a des parties... Moi, je galère à chaque fois. Voilà, on a des parties pour constituer un radar. Hop. Voilà. donc, vous voyez, on a deux parties comme ça. Poser celle du dessus. Donc, on les imbrique l'une dans l'autre. Ici, on va enclencher cette partie-là. Ensuite, on vient brancher le radar sur cette partie-là. Vous voyez, petit joint boule là. Et on va venir brancher un petit trou là, le câble. Et ici également.
C'est trop stylé. Je suis fan. Donc là, je vous montre la transformation, hein, mais après, rassurez-vous, on va tout regarder en gros plan. Hein. Et pour finir, il y a la transformation du dessus. Pour continuer et finir cette transformation, il faut maintenant s'occuper du dessus du dos de la remorque. Alors, première chose, on vient ici pousser cette trappe et on vient choper ici une tourelle avec un siège. Donc on emmène bien tout en haut ici. Voilà, et qu'on vient décaler de cette manière. Des fois qu'il manque des canons. Enfin, on va s'occuper de la partie arrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la partie de la remorque que je préfère. On va donc ici tirer cette partie et la rabattre au-dessus, comme ceci. Et continuer à rabattre cette partie-là, comme ceci. Et vous voyez qu'on a encore ici une tourelle. Et on a juste à déployer légèrement les canons. Voilà, des fois qu'il manque des canons. On vient finir par ouvrir ces deux panneaux sur les côtés. Partie de la transformation que j'aime beaucoup. Et du coup, on a cette partie-là de dégager. Alors, petite parenthèse, hein, pour mettre les piles, on retire cette partie-là. Vous voyez, c'est l'arrière. Et on vient glisser les trois piles dans ce bloc. On vient juste caler là. Et hop, on remet ça en place tranquillement. Voilà. Voilà donc le Big Stomp complètement transformé. C'est une tuerie. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est vraiment... Enfin... Il y a trop de trucs dans cette remorque. Il y a trop de canons, de lance-missiles et de roquettes. Et justement, c'est ça qui est trop fun. Mais il y a plein de petits détails et accessoires qui font juste trop plaisir. Genre le coup du radar, là, j'aime beaucoup. C'est un radar qui ressemble à un radar, quoi. Vraiment trop classe. J'aime bien là, cette partie-là qui se défait ici. Ça aurait peut-être été bien sympa de mettre la même partie ici en dessous pour maintenir. Vous voyez ? Mais après, cette partie-là, comme je vous disais, hein, du coup, elle est mobile. Vous voyez ? On peut très bien la larguer quelque part et puis avoir du coup un poste... un poste de missile, peut-être que dans ces cas-là, il aura, juste pour le fun, peut-être rajouter des pieds qui se déplient en dessous, mais bon, ça aurait demandé encore beaucoup de boulot, je pense. Mais vous voyez qu'on peut le faire, finalement. On peut laisser cette petite partie de lance-missile, là. Voilà. Mais bon, sinon, de base, ça va. Et moi, perso, je suis fan de ce Big Stomp, mais un truc de malade. Vraiment, ça arrive dans mon top 3 des custom de Cliff. Je le trouve fabuleux, et même là au niveau de la déco, il y a un gros effort, mais les stickers qui sont mis dessus sont juste magnifiques. Ça aussi, on va le regarder de près, hein, de toute façon. Donc voilà ce qui donne, hein, du côté le plus transformé, le plus transformable surtout. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté, hein. On remarque tout de suite que c'est beaucoup plus soft, hein, de ce côté là mais on a quand même du visu ici, avec encore deux petits canons, et on voit bien, hein, la tourelle du dessus, le canon encore ici, là, l'autre tourelle. Vraiment, c'est la classe. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le visuel qu'on a là. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais vraiment terrible, cette remorque. Et ça, c'est le visu qu'on a, hein, par l'arrière. Ici, donc, là, sur les panneaux, moi, sur ma copie, je n'ai pas de canon, ici. Donc, bon, ça ne me gêne pas plus que ça, vu déjà tout ce qu'il y a comme canon. Je trouve cette partie-là, là, juste... Cette partie-là est magnifique. C'est vraiment la partie que je préfère. Je la trouve terrible. Déjà parce qu'il y a... Je vais vous montrer après, mais parce que ça fait beaucoup de bruit. Il y a un spectacle son et lumière ici qui déchire. Et en plus, le canon ici, il est opérationnel. Ça lance des petites bibilles. Vraiment, cette partie-là, c'est ma préférée de ce Big Stomp. J'aime beaucoup cette tourelle-là aussi et l'intérieur, hein, qu'on va regarder ensuite. Tout d'abord, on va tout passer en gros plan. Donc ici, hein, la partie par laquelle on a commencé, hein, on voit ici de très très beaux stickers. Vous voyez, je suis assez fan. Celui-là est pas mal non plus. Ici, on a une partie roquette qui est très fonctionnelle, hein, terrible. Ici, des petits canons. Un petit plus, quoi. Donc ici, on a toute cette partie déco, là.
avec, voyez, les, comment dire, les caissons de rangement, là. Trop stylé. Et enfin, on termine ce côté avec encore ici un sticker. Et voyez, hein, ici, on a le petit tableau de bord à l'intérieur, le petit canon à lumière ici, là. Juste trop sympa. On a une très très belle vue arrière ici, hein, toujours avec le gros canon ici, hein, encore un petit canon là, un autre là, le siège, ici ce mold là est juste terrible, vraiment, c'est trop classe. On continue donc l'arrière avec l'autre côté, vous voyez, de nouveau un panneau ici, et ici des petits creux là, qui sont lumineux, hein, je vous montrerai donc après. Donc là on est sur la partie hein, du milieu, vous voyez ici qu'on a des stickers, également ici, mais tout un panel de stickers ici. Alors, à savoir qu'on a donc un petit inter ici, hein, qui permet justement d'éclairer cette partie. Vous voyez que ça marche super bien. Et par ce côté, ce que ça donne. On a vraiment des suites de stickers qui déchirent. Hein. Enfin, on termine le tour donc par cette partie-là. Donc, ce fameux bloc. Vous voyez, hein, on a un mini-siège, on a un sticker, hein, pareil pour le poste de contrôle. On a ce superbe, cette superbe ogive. Et ici, hein, tout comme l'autre côté, on a un sticker là dans le panneau et également ici un fond vert. En ce qui concerne le dessus, on a donc cette tourelle là, vous voyez, qui... on a un siège ici qui a été repris de Boulder Hill. Donc ici, ça tourne, par contre, c'est un petit peu compliqué de verrouiller cette tourelle en haut. Il faut la tourner hein, obligatoirement. Vous voyez. Mais ça marche bien des deux côtés. À savoir que là, vous voyez que vous avez un petit sticker aussi, là, de ce côté-là. Donc, oui, je vous disais, c'était inspiré un peu de boule de riz au niveau du siège. Et ici, on a cette tourelle également, vous voyez, avec des canons mobiles. Canon qui se replie aussi pour la transformation, bien sûr. Et vous voyez qu'on a, pareil, ici, des stickers de toute beauté. Avec un petit siège. J'aime énormément les moldes des sièges. Enfin, vu du dessus, hein, vous voyez ici... comment c'est fichu à l'arrière, hein, avec cet énorme canon, avec un mold magnifique, très impressionnant. Donc le siège. On a ici deux interrupteurs, un qui permet d'activer le son et la lumière, et l'autre qui permet uniquement d'activer hein, le canon, pour lui faire tirer des petites billes. Et d'ailleurs, à ce propos, on a cette partie-là, là, qui est un mold qu'on ajoute, puisque c'est le capot de la partie où on va mettre les billes à l'intérieur, à savoir qu'il ne faut pas en mettre trop non plus, voilà, faire ça gentiment. Mais je trouve ça vraiment super classe. J'aime énormément cette partie. Elle est juste magnifique. Hein. Trop d'inspiration ici. Trop d'inspiration. Et enfin, on termine hein, le tour de ce Big Stomp avec la partie radar. Très très joli ce radar. Un joli mold. J'aime bien comment il se monte. Et aussi le computer qui est derrière, là, dans l'espèce de coffrage. Et sur lequel c'est branché. Je trouve ça très 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 stylé. Vraiment. Avant de passer au son et à la lumière, on va tester tous les sièges. Hein. Donc, premier siège ici, avec Alex, impeccable. Nickel. Deuxième siège ici, ça sert un peu les jambes, mais impeccable. Troisième siège ici. Alors, le personnage ne touche pas le siège. Voilà, c'est pas grave, mais au moins il a le mérite d'y être. Ça se voit pas tant que ça. Autre siège ici, celui de la tourelle. Impeccable, même plus qu'impeccable. Terrible. Les sièges du fond. Hop. Savoir que. Là, vous voyez qu'ils sont de travers, mais une fois qu'on met le personnage dessus, comme ceci, ils deviennent droits. Et vous voyez ce que ça donne avec l'éclairage. Trop stylé. Enfin, pour finir, le siège arrière. Hop, impeccable. Vous voyez que les personnages hein, rentrent impeccables sur tous les sièges. C'est juste trop cool. Nous allons donc maintenant tester le son et la lumière. Savoir que il faut appuyer donc sur ce bouton-là.
un petit interrupteur ici noir. Et quand on appuie dessus. Alors, ça fait beaucoup de bruit, je vous préviens. Hein? Alors, vous voyez qu'ici, tous les canons hein, s'allument. Vous voyez? Pareil pour la tourelle en bas. Excellent. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'effet qu'il y a ici. Alors, savoir que c'est pas un interrupteur, en fait, vous appuyez dessus, ça met en route. Dès que vous relâchez, en fait, il revient en position. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez l'effet que ça donne ici. Par contre, sur ce canon-là, on retrouve le même effet qu'ici. Voilà. Et également sur cette partie-là, le même effet que sur le côté. Qu'ici, pareil, on a un effet de lumière hein, identique. J'aime beaucoup ici les effets de lumière. Bon, ça fait un peu discothèque, mais on comprend bien que. Mais j'aime beaucoup les différences de lumière. Par contre, hein, ici, on est sur les autres canons, absolument tous devant, on est sur un effet vert. Enfin, il ne nous reste plus qu'à tester l'énorme canon arrière, le canon qui propulse des petites billes. Pour ce faire, on va d'abord enclencher le mécanisme ici. Voilà. Donc celui-là, il reste stable. Ensuite, on enlève le capot et on vient mettre les petites billes à l'intérieur. Voilà. Donc tout est parti à droite et à gauche dans mon salon, donc c'est très très efficace. Et puisque nous sommes à cet endroit, nous allons commencer par retransformer le Big Stomp en civil par l'arrière, donc en repliant ici d'abord les petits panneaux sur les côtés comme ceci. On n'oublie pas de remettre le petit capot là. Ici on va venir mettre la tourelle dans ce sens et on va relever les canons comme ceci. Voilà, et on va la replier. On va la replier de cette manière. Et on va fermer le haillon comme ceci. Voilà pour l'arrière. Pour ce côté, c'est très simple. On rentre les canons et on ferme cette trappe. Ici, idem, on replie le lance-roquette et on ferme la trappe. Pour le dessus, ici, on fait pivoter comme ceci, on range dans le compartiment et on ferme la trappe tiroir. On termine avec ce côté, on va tout d'abord débrancher le radar ici et également ici. On va déboîter ici, ça on le met de côté. Et on va ici tirer cette partie et séparer le socle en deux. Puisque ces trois parties-là, on va les ranger ensuite à cet endroit-là. Mais avant, on va retirer le bonhomme. On va replier ces deux canons comme ceci. On va mettre les sièges dans cette configuration. Et on va venir, on fait glisser les petits câbles comme ça. On va venir pousser ici et verrouiller avec ces petites parties. Pour terminer avec cette partie, on va d'abord ranger le matos à l'intérieur, comme ceci, et refermer. Ensuite, on va replier cette partie-là et glisser à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Ici, idem, hein, on vient fermer le compartiment. Et enfin, de ce côté, pareil que l'autre côté, on vient ranger le lance-roquette et on replie la trappe. Et ici, on replie le missile. Concernant ce tiroir, on va le sortir. On va tout d'abord venir
poser le câble comme ceci. Et on va caler la partie radar ici. On va mettre le tiroir sur ses rails. Et on vient le caler tranquillement à l'intérieur. On se retrouve donc de nouveau avec le Big Stomp en mode civil. Et la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est la compatibilité avec ce véhicule. Avant de l'attacher, il faut d'abord libérer le picot qui est là. On retire cette partie-là hein, qui permet de garder les pieds bien droits pour justement déployer la remorque. Et on replie les pieds comme ceci. Et on va venir placer ce picot à cet endroit. Comme ceci. Et voilà le travail. Donc ça roule parfaitement, mais vraiment. Par contre, il faut être très 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 précautionneux avec le point d'attache. C'est-à-dire que là, si vous le mettez comme ça, vous pouvez l'exposer hein, de cette manière. Comme ça, il sera bien tout droit. Sauf que le picot qui est là semble quand même relativement fragile, mais pas autant que le train d'attelage en chrome. Donc vraiment, vous l'attachez, vous le posez, vous pouvez l'exposer comme ça. Mais en aucun cas, vous lui faites faire des demi-tours. Parce que je pense que ça pourrait peut-être engager de la casse. Ce serait dommage. Voilà. Mais sinon, le train d'attelage fonctionne très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Big Stomp. Vraiment un chef-d'œuvre. Une superbe création, un truc de folie. Hein, vraiment le délire de l'artiste là, j'avoue, je suis bluffé. Ce custom rentre dans mon top 3 de Cliff, ça c'est clair. La taupe restant pour moi la première. Je pense que The Big Stomp est pour moi le second. Surtout parce qu'il est super original. Il est très joli, il a été vraiment bien chiadé. Alors il y a peut-être quelques petits détails esthétiques qui mériteraient d'être travaillés, hein, comme toutes les charnières. Peut-être un changement de couleur, je ne sais pas. Le bloc arrière est magnifique. Là, les panneaux sur les côtés, bah, c'est un petit peu dommage que le plastique ait pris cette forme, mais c'est bien que ça s'ouvre parce qu'on voit les effets de lumière. Et le canon derrière, il est juste terrible, quoi, terrible. Et d'ailleurs, hein, quand vous mettez les petites billes dedans, là, vous attendez pas à ce que ça les propulse une par une, hein, ça les balance 3 par 3, hein, comme vous avez pu le constater. J'aime beaucoup le fait ici que les jantes aient été reproduites. J'aime beaucoup l'histoire des compartiments, donc bah, d'exit le drone. Ici, cette partie-là, j'aime beaucoup, avec les éclairages, les stickers, vraiment c'est magnifique. Là, en plus, la tourelle avec les canons est certainement la plus belle du bloc. J'aime beaucoup cette partie-là, peut-être qu'effectivement une partie tiroir ici aurait été la bienvenue également. Pour poser tout ça, mais ce qu'il y a de bien, c'est que cette partie-là est mobile, on peut la poser quelque part. Peut-être que des petits pieds en dessous auraient été plus sympas, mais sinon, franchement, voilà, cette partie-là est terrible, avec surtout le lance-missile qui est super classe. Ici, les lance-roquettes, c'est une tuerie. Et puis, bah, la tourelle du dessus est juste trop classe aussi, vraiment. Un must-have, ce Big Stomp. Si vous êtes comme moi un fan de ce que fait Cliff, bah, franchement, et que vous ne l'avez pas, je vous le recommande. Sincèrement, je vous le recommande parce que, en fait, il n'y a que Cliff qui fait ce truc-là. Tout simplement. Voilà. Alors après, effectivement, hein, on peut trouver quelques petites peccadilles à droite, à gauche, mais je rappelle juste que c'est de l'artisanat. Hein. Voilà. Tout est fait à la main. Donc, voilà. C'est à prendre en compte. Malgré ça, c'est vraiment une belle œuvre. Il est super bien chialé, il est très très réussi et surtout très 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 fun, vraiment très 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 fun, et c'est ce qui fait son charme. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais très heureux de partager ça avec vous.
N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist de Cliff. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.